Personnellement, je n'ai absolument jamais utilisé l'expression de pensée unique et dans l'avant-propos de mon livre, je la récuse explicitement hein, en disant, si vous voulez, que c'est une exagération manifeste, hein, même s'il y a en France et en particulier depuis une vingtaine d'années un climat assez déplaisant d'intimidation intellectuelle hein, qui se traduit par des pétitions signées par des intellectuels pour interdire de parole d'autres intellectuels, pour les faire chasser du média où ils étaient, de leur poste, etc. Bon, même s'il y a tout cela, même s'il y a ce climat d'intimidation déplaisant, nous vivons dans une société qui, heureusement, reste suffisamment pluraliste pour que des voix très diverses puissent s'exprimer. Hein, et nous sommes beaucoup mieux informés, beaucoup plus diversement qu'on ne l'est de la guerre en Ukraine dans les campagnes russes. Bon. Donc voilà, non, il n'y a pas... Mais concernant les médias publics, vous dites quand même voilà, que alors, dans les médias publics, et c'est d'ailleurs voilà. Parce que l'objet de votre livre, où vous écoutez par exemple France Inter... Exactement. France Culture notamment, et vous notez minutieusement toutes les fois où il vous semble qu'il apparaît un deux poids, deux mesures médiatiques ou une orientation à gauche, en tout cas de progressiste, de la radio publique. Est-ce que ça, voilà, vous le dire quand même, c'est une réalité. Tout à fait. Hein, alors ça me permet de reprendre ce que vous avez dit tout, également, parce que je n'ai pas dit que la gauche dominait dans les médias en médias général. J'ai parlé à vrai dire de ce que je connais, parce que je ne suis pas du tout un sociologue des médias, je n'ai pas fait d'enquête ou d'investigation ayant une quelconque prétention à l'exhaustivité sur les médias, simplement je suis un auditeur de la radio depuis, et de la radio publique exclusivement, sauf lorsqu'elle est en grève, hein, c'est la seule circonstance où j'ai l'occasion d'écouter la radio privée, et je ne regarde pas la télévision, mis à part la messe, la grand-messe du 20h sur la deuxième chaîne. C'est voilà. Donc, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire de France Inter et de France Culture, que j'écoute tous les matins, hein, enfin, plutôt France Culture d'ailleurs en ce moment, et c'est de cela que je parle. Alors oui, s'il s'agit de la radio publique, évidemment, elle est idéologiquement dominée par la gauche, et je dois dire que j'ai été tout à fait... estomaqué en disant dans le Figaro Magazine il y a 15 jours où j'étais interviewé, il y avait également un article de vous qui rapportait une entrevue que vous avez eue avec Adèle Van Rett, la nouvelle directrice de France Inter. J'ai été estomaqué de voir qu'elle pouvait être à ce point dans le déni, oui. Hein, qu'on puisse nier... Adèle Van Rett disait dans cette interview, dans cet entretien que j'ai eu avec elle, que selon elle, non, la radio publique France Inter n'était pas une radio de gauche, n'était pas une radio orientée, mais qu'elle était... oui. Elle disait pas neutre, alors, mais impartiale. Ils le savent très bien. Enfin, écoutez, moi, j'ai fait plein de couvertures sur France Inter. Ils vous le disent en off, d'abord. Oui, bien sûr, on sait que c'est de gauche. C'est même pas un choix des directions, en réalité. C'est une idéologie spontanée. Oui, je sais pas ce que vous en pensez, oui, monsieur oui. Perrin. Alors, enfin, ils le disent, d'ailleurs, c'est ce que j'ai indiqué. Vous savez, même sans remonter à une vieille formule dont vous devez vous souvenir. Vous savez, lorsque l'humoriste Stéphane Guillon, hein, c'était il y a une bonne dizaine oui. d'années, avait, après toute une série de provocations grossières, été licencié de France Inter, il avait fait une déclaration oui. hein, dans sa dernière émission en disant qu'il était licencié et que France Inter est une radio de gauche qui se comporte comme la pire entreprise de droite. Bon. Voilà. Tout est dit. Tout est dit là-dedans. Mais alors, vous avez beaucoup mieux, c'est ce qui s'est passé beaucoup plus récemment, lorsque, il y a un an et demi à peu près, il a été décidé qu'à la matinale de France Inter, on donnerait la parole à raison de 2 minutes 30 secondes, 3 fois par semaine, à 3 personnalités qui n'étaient pas de gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une tempête. La rédaction a publié un communiqué indigné en disant que le pluralisme, ce n'était pas ça du tout, que la rédaction était hallucinée par le casting. Il y avait Natacha Polony,
D'ailleurs, comme chaudière de droite, on fait peut-être un petit peu mieux, mais bon, passons. Natacha Polony, il y avait Gernel, Alexandre Devecchio. Étienne Gernel, directeur du Point. Voilà. Et 2 minutes 30 par semaine, sous la c'est surveillance. Et ah ben les deux autres, que... les deux autres, il y avait Cécile Duflot, qu'on ne peut pas vraiment considérer comme une personnalité de droite. Et puis, bon. Alors, bon, il y a eu. Et le Monde rendait compte de la chose en disant la rédaction a été profondément choquée par le fait qu'il y a des personnalités idéologiquement marquées, hein, qui ancrent... bon, alors, donc, on est marqué à droite quand on dirige Le Point ou Marianne, mais apparemment pas quand on dirige Libération, parce que Nicolas Demorand, lorsqu'il avait été à France Inter à l'époque où Stéphane Guillon partait, Nicolas Demorand animait la matinale, hein, il avait applaudi d'ailleurs à la déclaration de Stéphane Guillon, là-dessus il est parti pour diriger Libération pendant 3 ans, je crois que ça s'est pas très bien terminé, et il est revenu à France Inter. Quand il est revenu à France Inter, la rédaction n'a pas publié un communiqué indigné en disant qu'il y a une personnalité politiquement marquée qui arrive à France Inter. Libération se présente lui-même comme le journal de toutes les gauches. Oui. Donc, quand on dirige le journal de toutes les gauches, on n'est pas marqué politiquement à gauche, hein, on est un journaliste normal, simplement. Hein. Alors, un journaliste normal à ma gauche qui a dirigé c'est Libération... C'est moi qui ai fait cette formule. Oui, mais je me le journal de toutes les gauches. Je m'en souviens très bien. C'était ma définition. Voilà. Bah, ça n'a pas tellement marché. Oui. C'est plus vraiment toutes les gauches, cher Laurent. C'est vraiment une certaine gauche aujourd'hui. Je vous ferai remarquer que je n'y suis plus depuis 3-4 ans. Oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord quand même sur ce constat que les médias publics sont orientés à gauche, Laurent? Mais attendez, j'aimerais revenir sur la formulation initiale. La formulation initiale, c'est est-ce que la gauche domine les médias? Ça, c'est absurde. Ça, c'est une blague. C'est franchement une blague. Ça court tout le temps. Hein. On entend ça tout le temps. Vous n'êtes pas le seul à avoir dit ça. C'est ridicule. Ou alors, vous ne lisez pas Le Figaro. Hein, c'est un journal important. Et il m'a semblé, pour moi, le lire tous les jours, qu'il n'était pas de gauche. Mais oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est absurde. Parce que les faits les plus élémentaires montrent que c'est faux. Hein, si vous prenez les quotidiens nationaux, Le Figaro, ça doit être... 450 000, je crois, de diffusion payante, à peu près. Le Monde, 550 000. Donc, c'est pas très différent, enfin, un peu devant Le Monde. Et les autres quotidiens, où il y a Libération, 90 000, à peu près. Mais vous avez Les Échos, qui est plutôt libéral, donc il n'est pas vraiment de gauche. Et quant au Parisien, qui est l'autre grand quotidien, lui, il est plus difficile à situer. Il est populaire, etc. Donc, la gauche ne domine en rien le monde des quotidiens. La presse même chose. C'est différent. Prenons les hebdos. Les hebdos, c'est encore plus net. Vous avez l'Obs, un hebdo. Match, L'Express, Le Point, Valeurs Actuelles, plus Marianne, qui est difficile à situer, où est la domination de la gauche? C'est une blague. Il y a un hebdo de gauche, tous les autres ne sont pas de gauche. La presse écrite, ça se joue pas. Tous les autres ne sont... Oui, d'accord, mais enfin, moi, je prends des faits objectifs. Prenons les télévisions. Première chaîne de France, TF1. Pas vraiment de gauche. Ça dépend. Oui, ça dépend. Donc ça veut dire. C'est quotidien, c'est un peu. C'est pas un média engagé, en tout cas. Non, vous avez. Oui, mais c'est un. Ouais. M6 non plus. Prenons les chaînes d'info. BFM, c'est pas un média, c'est pas une chaîne de gauche. CNews, a fortiori, je connais bien. plus LCI, plus France Info, France Inter Info, enfin, qui est. Difficile à situer aussi, c'est plutôt une chaîne assez, impartiale ou objective, me semble-t-il, en tout cas assez pluraliste. Assez progressiste. Donc, ce qui veut dire qu'en France, le paysage médiatique est pluraliste. D'accord. On est libre en France, on peut faire le journal qu'on veut, dans le sens qu'on veut. Et donc, ces expressions, la gauche domine de manière outrageuse, outrageante, etc., la pensée unique, tout ça, c'est ridicule. Ça a l'air de dire, en France, finalement... C'est pas très différent de ce que sont les régimes tyranniques, autoritaires. Mais de quoi on parle ? D'abord, je vous rends tout à fait un point par rapport au temps où nous avons commencé à débattre, Laurent, parce qu'il faut vous reconnaître que vous êtes un des rares à avoir toujours accepté le débat. Pendant qu'à gauche, beaucoup de gens se drapaient dans leur dignité, des fois que ce soit contagieux. Donc vous avez toujours accepté le débat, donc ça fait un certain temps qu'on se retrouve, et disons que par rapport à 20 ans ou 25 ans, le pluralisme a évidemment progressé.
Je veux dire, c'est pas la peine de discuter si on considère... Oui, donc si vous êtes d'accord pour condamner le thème de la pensée unique? Non, mais moi, j'ai jamais non plus aimé cette expression. Je trouve que c'est difficile de trouver les termes. Non, Laurent, je vous ai écouté. Vous recommencez non, pas ce petit jeu. Vous me laissez m'exprimer parce que sinon, c'est pas possible. Non, laissez les autres s'exprimer. Donc, je suis d'accord que si on joue au point... Je veux dire, vous avez raison, le pluralisme, le paysage est évidemment ouvert, et moi j'ai souvent cette sensation, quand j'ai commencé à intervenir sur les plateaux au moment des maîtres censeurs en 2002, j'étais tout le temps isolée, et on m'invitait en fait pour faire la méchante. Je veux dire, c'était tout à fait, j'étais la méchante contre tous, c'était assez amusant d'ailleurs. Je me suis retrouvée depuis dans des situations où j'étais totalement mainstream, et où c'était vous le méchant. Donc je ne le nie pas du tout. En revanche, je crois qu'il ne faut pas confondre hégémonie et majorité, si vous voulez. Et je ne crois pas, qu'on puisse parler de la même hégémonie qu'il y a quelques années. Simplement, il y a un certain corpus d'idées que je dirais plutôt progressistes que de gauche. Je ne sais plus très bien ce que veut dire le mot gauche, vous allez me dire progressiste non plus, mais vous voyez bien, il y a tout le sociétal, tous ces sujets, si vous voulez, qui deviennent maintenant l'alpha et l'oméga, que les hommes sont méchants, que tout le monde est raciste, que, etc., etc. Vous avez cette espèce de climat idéologique qui n'est pas évidemment généralisé, mais qui, dans un certain nombre de milieux, fait la loi. Je vous donne, et même inconsciemment, je vous donne un exemple. Hier, et je me suis insurgée contre cela, quand une députée du Rassemblement national a commencé à s'exciter contre un tableau. Au nom de considérations morales. Le tableau de Myriam Kahn, pas le tableau de Myriam Kahn qui s'appelle Fuck Abstraction. Et elle dit que c'est pour dénoncer les violences sexuelles. Elle veut faire de l'art édifiant de toute façon, donc elle dit que c'est pour dénoncer. Les autres disent que c'est de la pédopornographie, et moi je déteste qu'on s'attaque à l'art. Et là, tweet ronflant du président de la République, on n'attend pas à la liberté de l'art. Tous les jours dans notre pays, toutes les semaines, il y a des attentats à la liberté qui viennent de gauche. Et là, pas un mot, quand Bastien Vivès, le même journal qui défend Myriam Kahn au nom de la liberté de l'art, est tombé sur ce malheureux auteur de BD, Bastien Vivès, qui tout d'un coup, parce qu'il dessine des petits garçons qui ont des gros sexes, s'est retrouvé érigé au rang de pédopornographe. Et là, personne, pas personne, n'a moufté dans les rangs, ni de la gauche, ni de la droite, pour le défendre. Et donc, il y a, par exemple, dans les milieux culturels, ne pas être de gauche est difficile. Moi, je connais des gens, j'ai des amis, qui cachent leurs opinions. Je ne connais personne qui cache ses opinions de gauche. Sur les questions du féminisme, et j'en termine sur cet exemple, j'ai fait... Il y a déjà... Des hommes adultes ont peur, si vous voulez, de dire ce qu'ils pensent. Je n'appelle pas ça une atmosphère complètement libre, et nous ne sommes pas pour autant en Union soviétique. Les seuls risques que nous prenons parfois, avec certains points de vue, sont des risques économiques. On ne nous arrête pas à la sortie des studios, mais je peux vous dire qu'à causeur, si on n'a pas de pub, c'est pour des raisons idéologiques. Je vais compléter mon raisonnement, parce que non seulement la gauche n'est pas majoritaire dans les médias, elle est plutôt minoritaire en fait, mais elle n'est pas non plus dans la société. J'en veux pour preuve que si vous prenez l'ensemble des sondages qui sont faits régulièrement sur les valeurs, il n'est pas vrai que les valeurs de gauche arrivent systématiquement en tête, c'est pas vrai. Ce qui arrive souvent en tête, oui, mais d'accord, c'est plutôt l'autorité. Sur l'immigration, vous avez 2/3 des Français qui sont contre l'immigration. Oui, mais vous n'avez pas 2/3 des journalistes qui sont contre l'immigration. Non, mais vous en avez la moitié au moins. Non. Je recommence. Je recommence à compter l'audience des différents médias. Est-ce que c'est normal? Je vais répondre à ça. Reprenons les médias publics. Est-ce que pour vous, c'est normal que les médias publics qui sont financés par les impôts de tous les Français, je ne parle pas de Libération, j'y viendrai, vous mettez de côté tuer cette idée selon laquelle on vit dans un pays qui n'est pas pluraliste. C'est faux. C'est essentiel. Oui, mais il faut le dire, au lieu de démarrer le débat en disant est-ce qu'on est dans la pensée unique. C'est ridicule. Mais c'est pas oui ou non, vous pouvez admettre. Ça ne correspond à rien. C'est une question. Il y a des idées dans tous les sens et les gens sont libres de parler. Il y a des gens qui sont virés parce qu'ils défendent des points de vue. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils défendent des points de vue. Mais chaque journal a son orientation. On peut, Laurent Geoffrin, dire en même temps qu'on n'est pas en Union soviétique, ce en quoi vous avez raison. On est au contraire. Mais il y a certains points de vue qui sont plus. Regardez, à Grenoble, des professeurs ont été virés. Si vous voulez, regardez
comment a été traitée l'affaire de Grenoble sur l'islamophobie, parce que des professeurs ont été virés et très maltraités, parce que le professeur qui a été victime de cette relégation, oui, je l'ai vu à la télévision. Je l'ai non seulement vu, mais il était dans le même studio mais que c'est moi. C'est pas blanc ou noir. Donc on ne peut pas dire qu'il n'ait pas eu la parole, au contraire. J'aimerais que vous répondiez. S'il n'a pas eu la parole dans certains médias de gauche, c'est possible. Mais il l'a eu dans les médias de droite. Alors c'est ça le pluralisme. C'est que les médias de droite donnent plus la parole à des gens de droite et vice-versa. Ça, on ne l'ira pas. Ça, c'est normal. On ne l'ira pas. Mais alors, j'aimerais que vous répondiez. Je voudrais que vous répondiez sur les médias publics. Parce que c'est alors, sur les médias publics. Sur les médias publics, est-ce que c'est normal que des médias qui soient financés par l'ensemble des Français aient une coloration politique particulière ? Est-ce que c'est pas. Moi, je connais bien France Inter, j'ai travaillé pendant 15 ans, donc j'ai fait un débat pendant 11 ans à France Inter. Alors, c'était pas maintenant, donc c'est pas un exemple tout à fait immédiat. Mais on avec était deux dans ce débat. C'était le débat le plus écouté de la radio de public. Mais vous me donnez un exemple, il y en a mille autres. Oui, mais je parle de ce que je connais. J'ai été invité souvent sur France Culture, par qui ? Par Alain Finkielkraut. Il parle plus spécialement le représentant de la gauche militante. Oui, mais vous me donnez le nom de la seule personne. Exemple. Et il n'est pas enclavé. Oui, mais ça veut dire que ce n'est pas du tout uniforme. Il y a des exceptions, en tout cas, par rapport à votre règle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une règle légale qui fait que les gens de droite et les gens de gauche sont à égalité dans le temps de parole. C'est important, ça. Parce que c'est quand les hommes politiques parlent pour eux-mêmes, vous en avez autant de droite ou d'extrême droite que de gauche ou d'extrême gauche. Donc, ça, à France Inter, ou et sur l'ensemble de la télévision publique et de la radio publique. Premier point. Deuxième point, vous considérez que dès lors qu'un journaliste vote à gauche, il écrit des articles de gauche. Mais vous avez une piètre opinion des journalistes, franchement. Alors, vous me direz, c'est largement partagé. Je suis d'accord. Mais ça ne se passe pas comme ça dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens de gauche qui écrivent des choses qui plaisent à la droite, parce qu'ils racontent ce qui se passe. Non, mais je ne dis pas que... et à France Inter, il y en a de toutes sortes qui font ça, parce qu'ils sont honnêtes. Selon un sondage, 80% des journalistes auraient voté Hollande en 2012. Oui, je viens de vous répondre à l'avance. Oui, ce n'est pas parce qu'on vote. Quand on est journaliste, on a des règles. Il n'y a pas de problème. Oui, mais vous considérez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a les deux corps des journalistes. Je cherche à nuancer votre pensée. C'est méritoire. Donc, oh là là, ça va être difficile. Il n'y a que vous qui avez une pensée nuancée, cher Laurent, à droite. Ben, je constate. À droite, ouais. On ne sait même pas ce que veut dire le mot nuance. Allez, on va terminer, après on va donner la parole à Laurent. Je cherche donc à nuancer votre pensée en essayant d'expliquer que ce n'est pas parce qu'on a des opinions politiques qu'on va dans un sens, qu'on écrit constamment en faisant de la propagande pour les idées en question. Mais ça n'est pas vrai, ça. Et j'en veux pour preuve le Figaro. Quand je lis les articles du Figaro sur la politique étrangère, etc., très souvent, c'est impossible, si on enlève le titre du journal, de dire c'est un journal de droite. C'est impossible, parce que le journaliste, il écrit des choses qu'il voit et qu'il raconte. Il essaye d'être honnête, de donner la parole à toutes les parties, de citer ses sources. Enfin, il y a des règles déontologiques dans le journalisme qui sont souvent respectées, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, quand vous avez un journal, entre guillemets, sérieux, type Le Monde, type Figaro, type d'autres, qui n'est pas propagandiste, si vous voulez, qui n'est pas dédié, qui n'est pas un journal d'opinion, en tout cas pas dans les articles d'information, vous avez une information à peu près fiable. Et là, je tiens que les journaux que j'écoute tous les jours, pour le coup, comme vous, de France Inter, les journaux de 8 heures, qui est le principal journal, c'est très difficile de dire c'est orienté à gauche, c'est orienté à droite. On peut le dire dans les émissions culturelles, parce que le milieu culturel, c'est vrai, ils sont plus souvent à gauche, c'est vrai. Et où France Inter ne fait pas l'effort d'inviter suffisamment des metteurs en scène ou des écrivains de droite. D'accord. Enfin, ils le font quand même, mais peut-être pas assez. Mais par contre, pour ce qui est de l'expression politique, c'est pluraliste, c'est la loi. Et pour ce qui est de l'information, je vous mets au défi de prendre un journal de 8 heures. Ah bah, je vais vous le dire. Et de relire ligne à ligne en disant ça c'est le parti pris, ça c'est le parti pris, ça c'est faux, etc. De Laurent Geoffrin. On va lui donner la parole à André Perrin. Est-ce que vous êtes convaincu par ce plaidoyer ? Sur le pluralisme à France Inter, non. Mais si vous voulez, je crois qu'il y a un certain nombre de distinctions à faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on regarde les médias en général, il y a effectivement... On va dans un kiosque à journaux, on peut acheter des journaux de gauche et de droite, d'extrême gauche et d'extrême droite. Bon, y a un pluralisme en ce sens-là.
Mais, si vous voulez, le problème n'est pas simplement quantitatif. Et c'est quelque chose que Elisabeth Lévy a suggéré tout à l'heure, que je voudrais un petit peu reprendre, si vous voulez. Et je l'indiquais dans mon livre en reprenant un petit apologue en forme d'expérience de pensée de Jean-Claude Michéa, hein, qui dit, au fond, si on veut savoir quelle est l'idéologie dominante, eh bien, il suffit de se demander ceci. Se rappeler, par exemple, qu'à une époque où la religion chrétienne était encore dominante dans notre société, hein, au XVIe, XVIIe siècle, il y avait des gens qui étaient qui sentaient le soufre, qui étaient suspects d'hérésie, etc., et qui s'efforçaient de protester que non, ils étaient de bons chrétiens. Hein. Songez à Descartes, par exemple, qui a des ennuis avec les docteurs de la Sorbonne, hein, et qui explique qu'il prétendait gagner son ciel autant qu'un autre, etc. Bon. Autrement dit, vous avez des gens qui essaient de montrer qu'ils sont dans le courant majoritaire. Et personne à l'époque ne peut, on ne peut pas imaginer à l'époque quelqu'un qui aurait un croyant sincère, qui aurait tenté de se faire passer pour un athée. Eh bien, nous dit Michéa, faisons la même expérience de pensée, demandons-nous aujourd'hui, que voit-on le plus souvent, hein, est-ce que c'est un homme de droite qui se défend d'être de droite et qui proteste que non, il a toujours été fidèle aux valeurs de la gauche, etc. Ou à l'inverse, un intellectuel de gauche ou d'extrême gauche reconnu comme tel, qui proteste qu'on l'a mal compris et qu'il a toujours été de droite et qu'il a toujours professé des idées d'extrême droite. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Ce qui est important, je crois, si vous voulez, c'est que le problème de l'idéologie dominante, enfin, un des problèmes, il y en a plusieurs, il y en a un autre que je pourrais peut-être aborder plus tard, qui est que l'idéologie peut être dominante en un lieu et dominée en un autre. Mmh. Hein. C'est pour ça qu'il est très difficile de parler de l'idéologie dominante en général. Mais surtout ici, ce qui apparaît, c'est que être de gauche ou de droite, c'est valorisé, c'est chargé de valeur. Hein. Et ce qui est important, c'est donc beaucoup moins la question de la quantité, parce que Laurent Geoffrin raisonnait en termes de quantité. Il a raison sur ce plan-là. Mais il y a un autre problème qui est beaucoup plus important, qui est celui de la légitimité. Hein. Et toutes les pensées qui peuvent s'exprimer ne sont pas également reconnues comme légitimes. Hein. Par qui ? Eh bien, elles ne sont pas recogitimes par ceux qui dominent dans le monde intellectuel. Le monde intellectuel, qu'est-ce que c'est ? C'est le monde à la fois de l'université, c'est le monde des médias, des journalistes, c'est le monde de la culture aussi. Bon, or, là, écoutez, c'est pas très difficile de savoir si ce monde est majoritairement à gauche ou à droite. On a des sondages qui nous le disent très, très facilement. Mais surtout, encore une fois, pour aller dans ce sens-là, quand vous avez, par exemple, vous dites sur France Inter, il y a égalité des temps de parole. Mais il y a toujours des idées qui jouent à domicile. Par exemple, je vous donne un exemple un peu bébête. On va parler du mariage homosexuel, avant le vote de la loi. Et la formulation sur France Inter, ce sera « Enfin, la France s'apprête à combler son retard ». Le traitement sur France Inter de la Manif pour tous, par exemple, était tout sauf impartial. Ils étaient présentés en permanence comme des rigolos, des résidus de l'histoire dont on pouvait se moquer. Si vous voulez, d'ailleurs, la seule religion dont on se moque sur France Inter, c'est évidemment la religion chrétienne. Et Jésus est pédé. Dans cette, ce que vient de dire André Perrin est très important, parce qu'encore une fois, mettez-moi je vous mets au défi, ou peut-être vous allez en trouver sur là, mais de trouver des gens qui ont été censurés ou virés ou qui ont dû s'excuser ou faire je ne sais pas quoi pour des opinions de gauche, ça n'existe pas. Les gens sont censurés pour des opinions dites de droite. Et ce qui se passe à l'université, vous avez eu raison de rappeler que ça fait un ensemble, c'est ce que Souchon appelle la volaille qui fait l'opinion, si vous voulez, ça va. Effectivement, c'est bien au-delà des médias. Ce qui se passe à l'université, je sais d'ailleurs, Laurent, parce que vous aimez réellement le pluralisme, que ça vous inquiète, est accablant. Est accablant, dans parce que même secteurs, d'ailleurs, des gens de votre gauche n'ont pas le droit de parler, des fois.
des gens qui sont de... Oui, il y a des cas, mais ce sont des groupes... oui, ça, c'est un vrai problème. Mais on ne peut pas en déduire que l'université est entièrement... Sous non, mais sur ce que disait André Perrin... Mais enfin, pour faire carrière, il faut être de gauche. Monsieur Perrin, parce qu'il y a un soufisme, excusez-moi, dans votre raisonnement, c'est que vous prenez exemple avec l'époque où la religion chrétienne était la religion ultra-dominante. Mais à l'époque, franchement, les gens risquaient leur peau s'ils disaient le contraire. C'était une incitation forte à ne pas le dire. Hein, on a brûlé des gens, parce qu'ils étaient hérétiques, justement. Aujourd'hui, et en 1787, me semble-t-il, on a condamné à mort le chevalier de Labarre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient refusé, disait-on, de se découvrir devant une procession. Hein, le Saint-Sacrement. Et on l'avait accusé d'avoir vandalisé un Christ. Et condamné à mort. Mais aujourd'hui, 1787, on condamne à la mort sociale. C'est pas au Moyen Âge. Aujourd'hui, on condamne à la mort sociale. Mais c'est pas du tout la même chose. Mais j'ai pas dit que c'était la même chose. Vous comparez les deux situations. Mais, elles n'ont rien à voir. En fait. Comparer des choses qui n'ont rien à voir, ça me paraît une erreur logique. Attendez, excusez-moi. Non, monsieur Geoffrin, je ne compare pas les choses sous le rapport que vous dites. Je n'ai pas comparé les choses sous le rapport des risques encourus. Les risques ne sont pas les mêmes. Risquer la mort et risquer d'être chassé de l'éditeur chez qui on travaille, comme l'a été un tel, etc. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même chose. Mais, oui, bah alors, donc mais la comparaison est un peu forcée. La comparaison ne portait pas sous ce rapport. Une comparaison... sous un rapport déterminé. Le rapport n'était pas celui des risques encourus. C'était quoi, alors ? Le rapport, je vous l'ai dit, c'est que pour savoir si l'idéologie est dominante, il suffit de se poser la question qu'on s'est posée. Et vous croyez sérieusement que l'idéologie de gauche ou progressiste a la même force aujourd'hui que la religion chrétienne au XVIe siècle ? Non, mais... Ah, bien sûr. Oh, largement. C'est pour ça qu'on l'appelle le camp du bien, d'ailleurs. Non, mais vous plaisantez. C'est pour ça qu'on appelle le camp du bien. Non, mais à l'époque, il y avait 40% d'athées en France. Elle a écouté. Ça m'a échappé, ça. Il y avait 40% d'athées en France. Aujourd'hui, il y a 40% facile de gens de droite en France, il y a même plus. Non, mais attends. De quoi on parle ? Non, non. C'est pas le cas. On est en démocratie. C'est ça la différence. Mais les démocraties sont imparfaites. Attendez, les démocraties sont imparfaites. Il peut y avoir des phénomènes de conformisme, de majorité, d'accord ? Enfin, on est libre. Donc toute comparaison avec une dictature ne vaut pas. Mais moi, j'aimerais vous répondre quand on vous dit des choses précises. Mais dites cela à ceux qui vous le disent. Laurent, j'aimerais que vous répondiez à des choses précises. Quand je vous dis que des gens peuvent être chassés, M. Perrin vient de citer des gens chassés de chez leur éditeur, vous me direz, c'est privé. Mais des gens peuvent être chassés de l'université, perdre éventuellement des emplois. Moi, j'ai des gens, si vous voulez, que j'ai dans Causeur, j'ai publié des gens qui en ont... Attendez, excusez-moi. On n'essaye pas de vous dire qu'on est... Personne n'a dit qu'on était en dictature ni qu'on vivait en Union soviétique. J'ai commencé par dire le contraire. Voilà, absolument. J'ai commencé par là. Vous ne pouvez pas nous imputer cela et répondre à cela, puisqu'on ne dit pas cela. On vous dit simplement que ce pluralisme apparent de l'égalité de toutes les idées dans le débat public n'est pas... ça n'est pas une égalité qu'il y a, je veux dire, effectivement, il reste dans le débat public et non pas dans la société, une domination idéologique d'ailleurs plus qu'intellectuelle, c'est parce que je crois qu'en plus, ce qu'on a oublié de dire, et peut-être on peut être d'accord là-dessus, c'est que tout ça se fait sur un effondrement du niveau intellectuel du débat, par ailleurs, qui me semble ajouter une dimension problématique à la chose. Je pense que vous ne me démentirez pas, vous qui êtes un auditeur ancien de la radio, vous l'avez vu. Donc, si vous voulez, ce qu'on essaye de vous dire, et là, je pense qu'on est vraiment sincère, c'est pas du tout qu'on est bâillonné, moi je ne l'ai jamais dit, j'ai jamais dit ça. Je veux dire, c'est simplement que les idées ne jouent pas à égalité, et qu'il y a certaines idées, si vous voulez, qui ont droit de citer. Il y a un deux poids, deux mesures. On ne traite pas l'extrême droite et l'extrême gauche de la même façon, etc., etc. Et ça, ça va dans le monde politique, au-delà même des clivages politiques. Si vous allez, les députés macronistes prennent leurs grands airs, si vous voulez, dès que quelqu'un de droite ou de droite un peu dure se balade dans le secteur, mais ils embrassent sur la bouche des gens qui défilent avec les islamistes. C'est leur droit. Je dis simplement, ils n'ont pas, ces gens qui sont supposés être centristes, qui devraient être les arbitres des élégances, ne voient pas, si vous voulez, il n'y a pas d'égalité dans le débat public. Non, on ne peut pas dire qu'il y a quand même une hémiplégie dans le débat public entre la manière, le rapport qu'on a à l'extrême droite et le rapport qu'on a à l'extrême gauche. Ça, vous ne pouvez pas le nier, vous êtes d'accord avec ça. J'ai demandé à monsieur qui était l'arbitre qui disait ça c'est légitime, ça ne l'est pas. Il me répond c'est l'université. Pas seulement. Entre autres, c'est l'université.
À l'université, il y a des choses tout à fait condamnables, les gens qu'on interdit de débat, etc. J'ai même protesté 15 fois là-dessus. Donc là, je suis d'accord. Mais, par exemple, une discipline que je connais un petit peu, qui est l'histoire, il est faux de dire que la gauche domine le champ historique de la tête et des épaules. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Moi, je connais des historiens très bien qui se revendiquent plutôt conservateurs et qui sont très bien. Et je peux vous en envoyer la liste. Et si vous prenez la sociologie, par exemple, 90% des professeurs de sociologie. Oui, mais j'ai pris l'exemple de l'histoire que je connaissais. À chaque fois qu'on vous parle d'une vision d'ensemble, vous nous opposez un point de détail. Mais tout à l'heure, vous me reprochez de ne pas prendre d'exemple. Alors, je prends un exemple. Mais on vous a pas dit que c'était l'exemple de l'histoire. Comment ? On ne vous a pas dit qu'il n'y avait que la gauche à l'université. On vous dit que c'est une tendance générale à la domination. C'est pas une tendance générale, c'est ça. Vous prenez l'économie. L'économie, il y a autant de libéraux que de marxistes ou que de bourdieusiens. Alors, répondez sur l'économie. Alors, oui, sur l'économie, oui. Sur l'économie, c'est intéressant. Je pense que c'est l'exemple auquel je pensais tout à l'heure en disant que une idéologie peut-être dominante ici et pas ailleurs. À l'univers, enfin dans le champ académique, et d'ailleurs la notion de pensée unique, si je me souviens bien, a été utilisée au début pour parler de la domination des idées libérales. Hein, c'est-à-dire, on a dit à partir des années... C'est Jean-François Cannes. À partir des années 80, à partir de Margaret Thatcher, de son « Il n'y a pas d'alternative », de Ronald Reagan, etc., le dogme néolibéral s'est imposé au point de constituer une pensée unique. Bon. Si on regarde ce qui se passe effectivement à l'université, dans le champ académique, il est tout à fait vrai que l'immense majorité des économistes sont plutôt libéraux. Et les économistes, le petit groupe d'économistes qui se disent eux-mêmes atterrés, sont une toute petite minorité. D'ailleurs, ils se plaignent d'être cette minorité. Et à tel point qu'il y a quelques années, ils avaient espéré obtenir du CNU la création d'une section d'économie bis qui leur serait réservée. Hein, c'est-à-dire où il n'y aurait que des économistes atterrés. C'est-à-dire qu'ils ils auraient pu avoir des postes de professeurs des universités sans s'être soumis au jugement de leur père en ayant été cooptés uniquement entre atterrés. Bon, alors ça n'a pas marché. L'un de nos prix Nobel, Jean Tirole, a protesté contre ce projet. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Bon. Donc là, vous avez... Alors, ces économistes-là, eux, ils sont plutôt... actifs, représentés dans des associations, dans des mouvements, c'est-à-dire le ATTAC, Fondation Copernic, etc. Et puis, sur la radio publique, où ils sont tout à fait surreprésentés par rapport à leur importance réelle. Bon. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe dans l'enseignement du second degré, eh bien, c'est exactement l'inverse. Hein. Et là, plusieurs rapports le montraient. L'immense majorité des professeurs de sciences économiques dans les lycées disent anti-libéraux, professent des positions hostiles très souvent à l'entreprise, d'ailleurs. Hein. Et, il suffit d'ailleurs de fréquenter un petit peu les lycées. Moi, je l'ai fait quand même pas mal. Hein, les CDI des lycées pour voir que les professeurs d'économie font beaucoup plus travailler leurs élèves sur des textes parus dans Alternatives économiques que dans les Échos, sans parler des pages économiques du Figaro, alors là, qui sont totalement inconnues. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, une idéologie peut effectivement être dominante dans un secteur, dominée, humiliée dans un autre.